Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de l'introduction. Nous avons une note supplémentaire à la main gauche, Do, Si, La. Nous avons ajouté le La. Et une note supplémentaire à la main droite, Ré, Mi, Fa, le Fa. Alors, je dois trouver ma position, bien sûr. Donc, à la main droite, la position est donnée par le pouce. Donc, je dois trouver la première note de la main droite. C'est un Ré avec le pouce, avec le numéro 1. Donc, je mets mon pouce sur le Ré. Bien sûr, la règle veut que j'ai un doigt par touche. Je ne dépasse pas la ligne des touches noires. Donc, je me mets en position de Ré à la main droite. À la main gauche, on me demande, la première note, c'est un La. On me demande donc de mettre mon troisième doigt ici sur le La. Le Si, le Do, tout m'ont déplacé. Je place le reste des doigts un doigt par touche. Et donc, c'est mon petit doigt qui m'indique la position de la main gauche. Par conséquent, à la main gauche, je suis en position de Fa. Position de Fa. À la main droite, position de Ré. Donc, je suis bien placé. Tout va bien. Je vais donc commencer par dire les notes. La, La, Si, I, Do, O, Ré, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Mi, I, La, A. Alors si bien sûr cette nouvelle note à l'aigu et à la basse vous pose problème, prenez bien votre temps pour vous habituer. Vous pouvez très bien par exemple regarder les notes au-dessus qui sont à votre disposition et dire Si, Mi. Vous voyez, je regarde, j'en choisis une au hasard, Ré, et je vérifie que c'est bien la bonne. Fa, alors le Fa c'est quoi? C'est ici. Le La, hop, le La à la main gauche, c'est bien celui-ci. Et vous vérifiez que c'est bien la bonne note. À chaque fois, vous repartez du Do à la main gauche ou du Ré à la main droite. Donc, imaginons, je dis n'importe quoi. Le Si, Do, Si, c'est bon, ça colle. Fa, Ré, Mi, Fa, c'est bon, ça colle. Voilà, donc à chaque fois, vous pouvez vous faire un petit test si vous avez une difficulté avec ces notes supplémentaires. Je vais maintenant dire les temps. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et enfin, bien entendu, je le fais au métronome. 1, 2. Encore une fois, je vous invite à essayer de faire le numéro 4 tout seul. Il y a les mêmes notes, c'est juste que les dispositions changent. Je vous invite donc à mettre sur pause ou à couper la vidéo. Prenez votre temps pour faire le 4. Suivez bien les trois étapes, notes, temps et métronome. Et je vous donne rendez-vous donc tout de suite pour le numéro 4. Je vous laisse le faire tout seul. Maintenant que c'est fait, on va le faire ensemble quand même, pour vérifier que tout est juste. Donc les notes. Do, O, Ré, Mi, Si, I, Do, Ré, La, A, Si, I, Ré, Mi, Do, O. J'espère que vous avez trouvé les mêmes notes que moi. La même chose en disant les temps. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien, et maintenant au métronome. Je me place et on le fait ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2. Voilà, nous avons fini cette deuxième partie. On avait ajouté une note à l'aigu et une note au grave, donc rien de trop compliqué. Et nous allons augmenter un petit peu de niveau à la troisième partie. Je vous donne rendez-vous pour la partie suivante.